Hey, yo tout le monde, c'est Jagal. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve sur Mafia 3. Et là, il faut parler à Cassandra. Donc, j'ai changé de tenue là. Ils ont changé les skills. On a le droit à 5 ou 6 tenues différentes. Donc là, je l'ai habillé comme ça. Parce que franchement, les autres, ça me plaît pas trop. Être habillé en keuf dans Mafia, c'est pas terrible quand même. Donc, allez, on va aller parler à Cassandra. On va voir qu'est-ce qu'il y a eu celle-là. Dieu oubliera pas de si tôt ce que ces fumiers ont fait ici, Ouais, s'il te ouais. plaît. Et moi non plus. Allez, salut. Donc alors, on va se mettre un petit point direct. Non, bah c'est bon, il est déjà mis. Allez, go. C'est quoi cette charrette? Sacrée charrette, ça. Commencez pas, les gars. Commencez pas à faire les oufs, c'est pas la peine. Sinon, on va pas s'en sortir. Commencez pas à faire les fous, les gars, s'il vous plaît. Allez, c'est bon. Voilà. On va aller voir Cassandra au calme. T'es où, ma petite? Ah. On va faire du beefsteak. Le nom de cet homme est Jesse. On était en train d'avoir une petite conversation à propos de Richie Doucet. Écoutez, moi j'ai fait que dalle, vous entendez? Je sais rien du tout. Je me promenais, je marchais dans la rue et elle m'a chopé comme t'es ça. T'es avec les Dixie, c'est ça? Non. Enfin si, mais... Merde. J'ai fait ça pour le fric, ok? J'ai rien de personnel contre vous. J'ai même pas de flingue sur moi. Où est Doucet? Il est au parc d'attractions abandonné, à l'ouest. On part en samedi. T'as une idée de ce qu'il fout là-bas? Il paraît que c'est parce que vous foutez la merde. Georgie est en train de péter un câble. Il veut que Richie crève. Alors Richie, il s'est barré avec ce qui restait d'héroïne, et ensuite, il a dit qu'il la jouerait discrète jusqu'à ce qu'il ait réglé ses comptes avec Georgie. Il a combien d'hommes avec lui? Putain, je sais pas, moi, tous ces hommes. Passe-moi ton couteau. Non, oh non, pitié, je vous ai rien fait du tout. Pitié, je vous en supplie, ma maman, ma pauvre maman. Oh, de chialer là. Dégage, allez. Comment il court celui-là? Il pourrait prévenir tout ça. Non, il fera de mal à personne. Laissons-le retourner chez sa mère. Si tu te trompes, il y aura un prix à payer. T'inquiète. Espèce de folle. Ah ouais, il est vénère, hein, Richie. On lui a piqué son bise. D'accord, faut tout lui niquer, quoi. Et bah écoute, hein. C'est parti, hein, je dirais bien. Allez. Allez, go. Bah, elle est où, ma voiture? J'arrive plus à écouter la voix de Delray. Ah ouais, putain. J'arrive pas à me dire qu'ils vont finir par... J'étais obligé de la taper, celle-là. Un témoin. Où ça? Un autre témoin. Où ça? Attention, ma petite dame. Envoyez vos agents. Tout de suite. On nous appelle à propos d'une voiture volée à Delray. Je me suis planté le bouton. J'y tire une bastos. démarre là. Parce que quand même, on va pas rester là, mon pote, ça. Allez, go. Allez, on y va, les gars. Attention, toi. Par contre, ils avaient pas la nitro à l'ancienne. Parce que alors, leur caisse, elle se traîne. Ça y est, on est au parc d'attraction là. Bah alors. C'est parti. Hein. D'accord, ils traînent dans l'eau comme ça avec les alligators. Les crocodiles, je sais pas.
Putain, j'ai changé de tenue, je suis tout classe et tout, et là, faut... Voilà. Tout dégueulasse. Putain. Allez. Quand on va y aller tranquillement. Alors, on va essayer d'y aller tranquillement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Richie ferait mieux de régler ses histoires avec Georgie. De toute façon, y a pas le choix. Sinon, on l'aura dans le cul pire que ta mère au bal de fin d'année. Ouais, ça c'est sûr. Bon, je ferais mieux d'y retourner avant que Bobby se remette à râler. Ok, fais gaffe à toi surtout. Allez, ramène ta shot. Et là, frangin, je vais te faire du bien, moi, t'inquiète pas, ça va bien aller. Hey, tiens, qui c'est ça rien. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, mettez vos soucis de côté et amusez-vous. Mais méfiez-vous. On ne sait jamais ce que ce vieux vicelard de baron vous réserve au détour du chemin. Ouais. Encore cinglé celui-là. Waouh, je me baisse. Pourquoi? Viens là, enfoiré. Va voir ce que tu peux trouver. J'abandonne pas aussi facilement. Il m'entraîne pas ou quoi? On va continuer à faire des gars comme ça. Je me planque derrière un truc. Vas-y, cache-toi, mon frère. T'inquiète, j'en ai envie de là-bas. Il est où lui? Tu en as vu un là? Il en reste un autre. Là-bas. De quoi? Il est où? T'es où, enfoiré? Tu te caches bien. Toi, c'est bon, t'es mort. Lève ta tête. Allez. Allez. Pilou, pilou, pilou. Voilà, ça c'est fait. Ouais, attends. Rendez-moi ce qui va bien là. Est-ce que c'est bon, les gars? Pas le temps de rigoler là, c'est bon. Ok, toi je t'ai vu. Ok, ça roule pour l'instant. Allons voir par ici. Vas-y, vas-y, frangin. Bon, ne laissez pas nous tuer. Ramenez vos culs ici. Je l'ai en visuel. Rôtis-le. Lève sa tête. Ouais. C'est toi qui vas en retirer, mon frère. C'est quoi ce pétard? C'est le même. Alors voilà, des petites munitions, on est bien. Ah bon, tu veux te friter avec moi, toi? Ouais, mon frère, quand tu veux. Par contre, t'es où? T'es où, mon potos? Sors de ta cachette, là, vas-y. On va chercher dans tous les coins jusqu'à ce qu'on le trouve. Là, sur la droite, c'est le carrousel. L'endroit rêvé pour rester à l'écart des ennuis. Oh, enfin. Ah. Si vous êtes plutôt du genre... J'en ai mis deux dans le vent, mais le troisième, il est passé quand même. Les plus féroces de ce côté du bayou sur le grand 8 du Crazy 14. Hey, attention au retour de flamme. Mais attention, il paraît qu'ils adorent la viande bien foncée. Faut que je recharge. Je me planque derrière un truc. J'aurais dû t'enfuir.
Branche-lui sans qu'il te voie. Son cul. Ouais. Crâne, mon gars. Bouge ton cul. Couvre-moi. Il est moi. Bah venez les gars. Fais griller ton cul. Ouais, venez. Crâne, mon gars. J'en ai trouvé un. Vous l'amenez ici. Mais c'est le diable qui nous attend. T'aurais dû t'enfuir quand tu le pouvais encore. Non, non, mais moi je suis pas mon frère. On est là pour faire la baston. Attends. C'est bon, vous êtes où là? Ça y est, c'est bon, c'est fini le bordel un peu là. Bon, toi je sais que t'avais un petit peu de peupon. Voilà. Donc là on est pas trop mal. On prend ce qu'il faut. Et allez, on y va, mon frère. Attends. Ouais. Arrête au cinéma un peu. Quand même. Il n'y a rien, non. Ok, bah c'est parti mon frère, t'es où? Non, c'est pas par là. Bienvenue au bon Super. Bordel. J'ai jamais voulu me retrouver dans ce merdier. C'est trop tard pour les regrets, tu vois. Le problème. C'était Georgie qui avait fait le coup. J'aurais des rétals communiés dans tous les coins. Me mets à couvert. Tu viens me taper de la viande de noir. De quoi? On peut s'arranger, tu sais. Tout ce que t'as à faire, c'est crever. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu veux faire quoi? Il est foutu. T'es où, petit fumier? Toi, je vais te défoncer la gueule. Alors, écoute, c'était chaud comme un barbecue. Allez, viens, mon frère. Recharger. T'es où? T'es où, espèce de... J'aurais pas dû venir ici. Tout ce que t'as à faire, c'est crever. Bah oui, de toute façon. Ouais. Mais je crois que c'est vous qui allez crever, les mecs. Avant moi. Tu vas pouvoir laver, tu vas voir ce que tu vas laver, mon frère. Eh, hey, enculé! On s'est dit. Tiens, bah, regarde. Montre un peu ta gueule! Vas-y, viens, toi. Je te mets un petit coup de couteau vite fait au calme. Au calme! Tiens, voilà. Ici, là, en même temps. Tranquille. Quelqu'un l'a vu? Quelque chose. Putain, il est gros là, il a refouché pas combien. Je peux plus rester là, je me planque. C'est bon? T'as fini les gars? C'est bon. Hop hop hop, on va passer là. Hop, on va se poser comme ça au calme. Alors vous êtes où les brigands? Hmm? Ok, toi je t'ai eu. Couvrez-moi, j'ai quelque chose. Cet enfoiré. Donne-moi un coup de main. Ok. Ah ouais, je t'ai vu, j'ai vu ta tête là-bas là. Et de loin. Comment il a fait pour se barrer? Va voir s'il est toujours là. Il veut me faire douter? Ça y arrivera pas. Ouais, ouais. Tu vois comment je vais te faire douter, mon frère. Tu vas prendre un coup de pompe. T'es passé où, mort la paille?
Putain, lui, il joue ça. Je crois qu'on... Je l'ai. Je tire. Je me suis fait là. On peut s'arranger, tu sais. Tout ce que t'as à faire, c'est crever. Un coup de deux. Cramez les miches, moi. Oh, tu vas te cramer les miches. C'est qui tire? Personne qui m'envoie. Je viens tout seul. Je me planque derrière. Vas-y, un mon truc. Frère, cache-toi derrière un truc. Rolandise Wild Ride, c'est l'attraction la plus sauvage du pays. Va voir ce que tu peux trouver. Et c'est parti, retour. Et quand vous serez de retour sur la terre ferme, passez par la boutique du docteur Yaya pour déguster un petit remontant. Ah bon? Oh oui, yeah. Bouge pas, surtout tu bouges pas. La salope est juste là. Ramenez-vous ici, je le vois. Contourne-le. Il est foutu. Putain. C'est bon quoi. Ça doit être bon. C'est bon quoi, vous en demandez encore? Ou on attend? Ouais, j'entends des bruits chelous. J'entends des bruits chelous. La maison hantée, bon, on y va dans la maison hantée, mon frère. Allez! Il est là, putain de merde. Non, le roux-garou. Dans un petit village de nègres, au plus profond du bayou, très loin de la civilisation. C'était là que les... Tu crois que je vais m'asseoir sur cette cam, comme ça? Écoute, si tu veux en parler, on en parle, sinon t'es mort. Hein? Non? Ça risque de faire mal. Ouais, mais tout ça, tout ça va faire mal. Quoi qu'il arrive. Oh putain, mon frère. Un sacré trinquin quand même. Ils renouaient avec les traditions de leurs ancêtres d'Afrique. Et un de leurs anciens, un certain Papa Virgile, les réconcilia avec une ancienne magie impie, le Vaudou. Et c'est alors que Papa Virgile se choisit... Il en a pas marre de parler celui-là, là. Ferme-la un peu, ce sera pas mal. Si t'inquiète, mon cerveau, il y en a un qui bouge une oreille, je lui éclate la gueule. Pourquoi tu t'énerves? Je suis même pas arrivé encore. N'empêcha pas le roux-garou de sévir au contraire. Bien au contraire.
Attends, on va recharger quand même au calme, parce que comment... Ah, je suis concentré là. Enfin, pas trop, parce que là, je suis concentré là. Et où lui ? Ok, je crois que j'en ai eu un là-bas. Ouais. Ok, t'es l'ange de la mort. Non, t'es l'ange, t'es mort. Attaque-le dans son angle mort. Mais alors, vous êtes tous les gars. Dégagez cette carte en foire, fume-le. Ouais. Comment ça se fait, t'arrives derrière moi, toi? Balancer des cocktails dans l'eau quoi. Ouais, je crois que t'as tout compris mon frère. Zone hostile. Ah, c'est tout à l'heure, on est pas dans une zone hostile. Sors. C'est mon frère. C'est qui le pris sa maman? Sors de là, toi, tu vas voir. C'est ma putain d'héroïne. Vous avez pas le droit. Mais si c'est crevé, tu veux. Ouais, bon, on va voir. On va voir qui c'est qui va crever, mon frère. Après quoi, moi. On va voir ça tout de suite. Le type parle de putain, il me casse la tête celui-là. Tu veux pas la fermer un peu? T'es où, petite pédale? Allez, viens là. C'est bon, t'en veux? Non, toi t'en veux. D'accord. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller, mais voilà. Obligé de faire un truc comme ça. Bah ouais, bah arrête de chialer maintenant. Arrête de chialer là. Réfléchis un peu, merde. Tu crois que tu peux venir comme ça et voler mon héroïne sans te faire remarquer? Je suis pas là pour ton héroïne, Richie. Je suis là pour te faire payer ce que t'as fait à Sammy et Elise Robinson. J'ai absolument rien à voir là-dedans. Je t'ai vu planter Elise dans le ventre. Je pouvais rien faire à ce moment-là, mais maintenant je vais pas brûler. Oh. Putain de merde! C'était pas mon idée, ah, t'entends? Tu faire. C'était Georgie, juste lui et son père. C'est eux qui voulaient vous buter, pas moi. Oh. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, leur dire non? Soit ça, soit t'assurer que j'étais mort. Oh non, non, non. Dommage. Non, pitié. Attends, écoute. Je... Laisse-moi au moins faire une dernière prière avant de me tuer. Tu prieras en montant. Oh.
Allez, un petit tour de grande roue. Allez. Quand j'ai vu que Richie Doucet avait été pendu à la grande roue, je suis resté complètement incrédule. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Les mafieux passent leur temps à s'entretuer, mais il s'agit en général de petits accrocs ponctuels. Un Rital mange des spaghettis aux boulettes de viande dans son restaurant préféré et se prend une balle dans la tête. Mais là, c'était autre chose. Avant même de savoir qui l'avait refroidi, je savais que Richie était là pour l'exemple. Lincoln avait été formé à la guerre psychologique par la CIA. Il voulait faire peur à la pègre, leur faire savoir qu'il les tuerait les uns après les autres, et que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Et ben voilà, nickel. Ça c'est fait ça déjà. Là on est bien déjà. Oh le look de ouf qu'il a. Franchement c'est nickel. Bon bah voilà les amis. Bah j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis bah la prochaine fois bah on ira reparler à Cassandra. Donc portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Ciao bye tout le monde.